de soi, on a tendance à parler fort. Il suffit de rapprocher le micro et parler normalement, mais ça c'est moi. Ah les amis, eh ben, nous voilà, et là c'est l'après-midi, à Rachtal-Déon, on est en direct avec Radio Biarritz, et avec Denis qui est un ami d'enfance, on était à l'école ensemble, un boucalais, mais bon, il est à Bayonne, plus bayolé que beaucoup, et Denis, oui. On ne s'est pas vu depuis combien de temps? Je ne sais pas, une petite trentaine d'années, j'imagine. Voilà. Bon, rappelons qu'on est ici, on est rentré dans l'univers Paul Bert. Alors, où on est ici, Denis? On est dans une cour cachée derrière la rue d'Espagne, ouais. Voilà, qui avant était une choix d'institution catholique. Maintenant qu'il n'y a plus de catholiques, c'est devenu un bistrot, un immense bistrot. Je crois que c'est un bistrot uniquement pendant les fêtes, parce que sinon, c'est une école, le collège ou le lycée, je ne sais plus, Paul Bert, non? Non, je ne sais pas, je me trompe. Parce que moi, j'habite Biarritz, maintenant je suis un bayonnais qui est parti. Comme toi, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Moi, j'habite à Labenne, car c'est pas à Paris. Aïe, 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 on n'est pas parfait. Hein. Moi, c'est Biarritz. Désolé les bayonnais, mais je suis toujours bayonnais. Et alors, Denis, dis-nous, tu nous as amené ici, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as dit que tu avais vu des gens que tu vois nulle part ailleurs, tu les vois ici. Bah, c'est là que tu as les bayonnais qui ne sont pas dans la rue, quoi. C'est là qu'on voit les vieux copains, normalement. Là, pour l'instant, je ne les vois pas, mais on vient d'arriver. La dernière fois qu'on est venu, c'était il y a 2 ans. Ouais. On a un peu stoppé avec le Covid. Il faudrait qu'ils montrent. Il faut qu'on fasse le tour. Avant. Parce qu'on a Patrick Marie, le fondateur de la radio, d'ailleurs, qui est derrière la caméra, qui va venir se rapprocher de nous pour... Viens te rapprocher de nous. Et tu vas montrer quand même où on est, tu l'as montré déjà, je ne sais pas. On est donc dans une cour intérieure d'un lycée autrefois ou d'un collège. Aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais pas. On est en direct, donc si on était connecté aux commentaires, on pourrait voir les commentaires de suite qu'on fait sur le site. Allez sur radiobiarritz.fr. Mais on est en direct, ce sera en différé sur YouTube dès demain normalement. Donc voilà, on continue, on va avancer. On va aller se boire un coup quand même, non? Ben oui. On a les bas chauds. Hein? Bon, on continue. Un peu de musique en talent. Ah ouais, ouais, donc on c'est pas du tout organisé, on en profite. On est là, on improvise total. Il y a un micro? J'ai entendu, il y a un micro. Juan, non, c'est lui, Juan. Oui, alors, bonjour. Ça marche pas. Ça marche. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Regarde, il y a le point rouge. Et c'est filmé en plus. Ah. Émilie? Viens. Oui. Il y a le point rouge, on est en direct. Ah, on est en direct. Oui, bonjour. Radio Biarritz. Regarde. Radio Biarritz. Allez, bon voilà. Gosse. Ouais. Ben, merci Radio Biarritz. Oui. On est là avec les DJ. Les DJ, ouais. Ils vont tout donner à partir de 7h. Tu es DJ? Ouais. C'est lui DJ. Non, c'est qui les DJ? Il n'y a pas DJ? Non, surprise. Moi je suis DJ. Surprise. DJ Juan, je vais mixer à partir de 7h. Ça va être de la folie. Elle fait nous bas. À partir de quelle heure? De 17h. Émilie aussi va. Émilie va prendre les platines à partir de 17h. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de musique, mais sinon. À partir de quelle heure tu prends les. Émilie, il y a écrit madame. Apéro. Oui. Émilie, ton prénom et ton, oui. Et ton prénom. Moi c'est Juan, faut filmer. Bon. Madame Apéro. Elle boit l'apéro. À mon avis, vous allez. Elle boit l'apéro tous les jours. Filme l'apéro. En tout cas, au plaisir. Pour moi, c'est la première fête de Bayonne. Ah oui. C'est vrai? Adorable. Je suis là, l'ambiance, tatarara, bien au bas. Tout le monde est cool, tout le monde est bien. Émilie, c'est la 15e fête de Bayonne. Vous êtes connaît. C'est un petit moment que je fais les fêtes de Bayonne. Ouais, t'as fait beaucoup, hein. Ah, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Oui, oui. Alors, rappelez-nous les prénoms, Émilie. Émilie. Juan. Et Juan, Juan oui, bon, DJ. Bonjour, moi c'est Juan. Je suis DJ, je mixe à 17h. Ici. Ici, donc ici. Dans la cour. Dans la cour, de partout. De partout. Ah bon. Attendez, il y a une école. Ah, il y a du monde, il y a du monde. On est dans l'entreprise Goiti. Ah non, moi je parle pas. Goiti. On est dans l'entreprise Goiti. Pas te cacher. Bon alors, excusez-moi, on a commencé le reportage avec Denis. Oui. Denis ici présent. Attendez. Denis qui est un... Il y a la caméra, bonjour. Un ex-bayonnais. Bayonnais. Alors... Denis, t'as vu, c'était spontané, on était avec... Ouais, ben, là maintenant, on attend, on attend la musique. Mais oui, c'est pas grave, ça arrive. Moi, je suis Juan. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est quand et c'est quoi la musique? Exactement. La musique, nous, on va se régaler. Musique, hein, et même sans musique, on se régale. Bonne ambiance, que du bon monde.
c'est vrai ou pas? Que du bon monde. Un mariage, deux bières, tu prends deux bières, c'est quand même un mariage. Mais c'est pas un mariage, c'est les fêtes de Bayonne. Donc là, ils vont jouer ou ils ont joué? On va jouer. Ah, ils vont jouer. 7h30. On va jouer. Qui va jouer? Ben, je sais pas. Merde. Bon, on vous laisse parce que n'oublions pas que nous allons être en direct des courses de vaches. Retrouvez-nous à 17h aux courses de vaches. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Super bien. Il est parti. Ah, écoute, j'ai bien vu que tu voulais faire le direct avec nous. On est sur Radio Biarritz en ce moment. Et c'est filmé. Et tes amis pourront le revoir demain sur YouTube, c'est feignasse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es bien? Tu fais la fête? T'as picolé? T'as bu du bon vin? Du bon vin blanc ou t'as bu de la bière? Ton prénom c'est? Mon prénom c'est Abdoulaye. Redis-moi, j'ai pas compris. Abdoulaye. Abdoulaïne. Ouais. Alors, moi je connais Abdoulaïne. Ouais, Abdoulaye, ouais. À la fin c'est I-N-E. Non, Y-E. Y-N-E. Y-E à la fin. Abdoulaye. Abdoulaye, oui. Ah, Abdoulaye. Je connaissais. En tout cas, j'avais jamais écrit Abdoulaye. Je suis désolé, je connaissais le prénom. Dis-moi, t'es là en mode incognito ou t'es une star? C'est pas une star, moi. Oui, t'es une star, regarde. Non, c'est pas une star. Mais regarde, tu c'est as, pas connu, t'as c'est la pas belle montre. Ouais, je sais. Bon. Écoute, si tu veux nous retrouver, va sur radiobiarritz.fr, mais tu tapes Radio Biarritz, tu trouves. Allez, chat. Bon, les amis, on continue le direct. Allez. Allez. On va aller boire un verre. Hein. On va essayer d'aller boire un verre. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça sature. Bon, on se rapproche. Pardon, excusez-moi. Dans le micro, c'est impressionnant toujours. C'est pas branché, c'est du fake. Tout est fake aujourd'hui. Gentil. Pardon. Lui, il va parler. Non, non, mais personne... Il faut pas parler, c'est pour faire peur aux gens, ça marche, j'ai jamais vu ça. Les gens, dès qu'ils voient ce truc... Ça peut attirer d'autres... Ça peut attirer d'autres connards. Ah, qui ont de l'humour. Ben, alors, Il faut me filmer. Ça va? Ouais, voilà. Champion ou quoi? C'est quoi? Champion du monde de jeunes ouvriers, là. Ouais. C'est vrai? Ouais. T'es un mof à Lyon. Champion du monde, c'est quoi? C'est pas un mof? Ouais, je suis un champion du monde. Du monde, c'est quoi? Comment on dit pour les ouvriers? Champion du monde de l'apéro, tout. Ah bon, bon. Et vous êtes une bande d'amis, là? Non, j'imagine. Il y a le grand patron qui mange là-bas. C'est qui le grand patron? Philippe Elliott. Qui c'est Philippe Elliott? C'est un grand barbu. Mais c'est qui, Philippe Elliott? C'est le patron de nos 5 boîtes. On est une quarantaine. Ah, de vos 5 boîtes. C'est quoi vos boîtes? Le Cormec. C'est H&M. Le H&M, c'est les... C'est H&M, le Corvec, Menuiserie Gaillard, LVL et Sopéga 2. Et c'est le patron de toutes ces boîtes. Voilà. Et vous êtes les gens... C'est une après-midi corporate. Voilà. On est ses esclaves. Ouh là là. On va aller le voir. C'est lequel, le patron, le grand patron? Il nous va faire un repas. C'est le premier en 15 ans. On est content. Extraordinaire. Donc vous êtes tous dans le... Sobu, c'est le gérant de la menuiserie Gaillard. Alors je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu... Pardon ? Regardez-les. Non, ils ne veulent pas passer. On force pas les gens. Donc, le patron, il est où, le patron ? Il faut le trouver. Couper. Il faut le trouver, on va le trouver. On va le trouver. Attends, non, coupe pas. Non, non, on repart voir le patron. Là, c'est un repas à l'entreprise. Merci, hein. Merci. Vous étiez fantastique. Quand vous êtes caché le bras sous l'épaule. Fabuleux. Holding Anaco qui représente plusieurs sociétés. Alors c'est la représentante de la holding. Exactement, merci. Je suis l'image de la holding. Vous avez de la chance. Vous êtes tous dans la même équipe là? Non, c'est ça. Retenez, il a dit vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Mais ils ont de la chance quand même de m'avoir, mais ils ne se rendent pas compte. C'est Julie. Julie Franck. On est en direct en ce moment sur Radio Biarritz. Oh, on super. Est filmé. J'adore. Ça veut dire que je vais être une star. Et ce sera en différé dès demain sur YouTube. Alors, parfait. Alors, dites-moi. Redis-moi ton prénom. Se tutoie. Ben, pas de soucis. On est à Bayonne. Alors, moi, c'est Julie. Julie. Moi, c'est Franck. Moi, je suis de la Benne. Toi, t'es dégage. Est-ce que c'est elle?
parce que c'est... Olé à Bayonne. C'est... Alors, dans une entreprise, il n'y a pas toujours les plus fins qui apparaissent en premier, on est d'accord. Mais... J'en ai aucun de fin, c'est ça mon problème. Et en plus, c'est du BTP, c'est de l'entreprise. Merci. Donc, dans les travaux publics... Non, pas travaux publics. Non. Pas travaux publics. Non, peinture, cloison mobile. Oui. Alors, on va pas faire une caricature, mais non, quand même. Tu veux voir quelque chose ici, ah, avec plaisir, oui. Là, avec plaisir. Là, il y a un gérant de CHM. Ce que tu as. C'est un cadre. Ce que tu... C'est un cadre de CHM. Et... Attends, il me pose une question, tu et permets, pensez, pensez aux esclaves, aux ouvriers aussi. Le grand patron, le grand patron, il est par là-bas. Non, non, déjà... Vous non, allez me présenter le grand patron. On va chercher le grand patron. Allez, vous allez me présenter le grand patron. Allez, on y va. On va voir le grand patron d'une société... qui représente plusieurs sociétés au Pays Basque de TP, pas de BTP, mais dans le bâtiment, voilà, qui travaille dans le bâtiment. Il est où le grand patron alors? Je le cherche. Alors, il faut le trouver. Et vous étiez combien de votre entreprise 50. Ils sont 50, donc... c'est le fils. Mais il faudrait trouver le grand patron. Mais bon, le fils ce matin, patron. J'ai mis mon pantalon tout seul. Super, continue. Bon, on aime l'authenticité, tu vois. L'authenticité, c'est la première chose, on est sur Radio Biarritz en direct, en direct. Bonjour, enchanté. Enchanté, Franck, et ton prénom, c'est ? C'est Patrick de Bayonne. Je ne sais pas ce que la Radio Biarritz fait ici, mais ça ne fait rien. On se déborde, voilà. On se déborde. Bayonne est ouvert à tout le monde, c'est pas grave. Hein. Il nous donne la même réponse que Jean-René Tchégaray hier. Eh bien voilà, je suis son fils, c'est spirituel en fait. Enchanté. Et bon, encore vous dire de plus, j'espère que vous passez un bon moment. En ce moment, on n'est pas en chantier en ce moment. On n'est pas en chantier, ben voilà. Mais non, on remercie notre patron de nous avoir offert un repas. Donc, tu es aussi dans ces entreprises multiples, t'es très mignon comme ça. Exactement. Reste, filme bien là parce que ouais, ça va après, passer. Ouais, mais après, j'ai une famille et tout, faudrait pas, peut-être pas trop déconner. Elle est où la famille? Excuse-moi, moi je t'en ai la verre. Mais je parce que c'est moi l'image, ah, quand même. Alors là, c'est toi, Voilà. Max, viens avec moi quand même, laisse pas seul. J'ai présenté. Alors, c'est le fils du patron. Mais j'ai plus de il a un prénom, le fils du patron? Maximus des Inus des Anus. Maxime. Bon, il est là incognito avec ses lunettes. Et Julie, qui est donc la plus belle représentante de l'entreprise. Moi, je suis le soleil de la société quand même, faut il dire. Il vient m'offrir un verre. Exactement. Miloshker, merci beaucoup, Miloshker Anit. Mais à toi aussi. Moi, j'aime être filmé. Alors, on va peut-être clôturer, si le patron n'arrive pas, on va clôturer. Non, Comment on est jeune Alors, on a les autres de nos collègues qui sont là-bas. Ça représente donc, on est là, on vient de faire un tour avec les employés de l'entreprise. L'ANACO. L'ANACO. L'ANACO, l'AN, le travail. Co. Non, rien à voir, c'est l'ANACO tout court. L'ANA, oui. Voilà. Bon, alors... on te dit au revoir Julie parce que on va s'arrêter. Mais, on va ouais, mais oui, vous allez avoir du mal de trouver mieux que moi maintenant quand même. Hein. Mais bon, bon courage et merci à vous. Tu dis un dernier mot. Oui. Vive les fêtes de Bayonne. Et vive la holding l'ANACO avec toutes les sociétés qui vont avec. Notamment CHM, la menuiserie Gaillard, que c'est mes chouchous. L'entreprise Sopega, qui est là avec moi, Sopega. Alléluia. Ok, ok. Bonjour. Faut pas les rater les deux là. Merci. Merci. Julie et Anne. Julie et Anne. Oh, on coupe. Alors on y va.